Mesdames et messieurs, bonjour. On est donc heureux de vous retrouver au Fort Saint-Jean pour ces moments littéraires de ce rendez-vous, de cette programmation Beyrouth, il y a Beyrouth, dont vous pouvez avoir la substantifique moelle dans le journal que nous avons édité et que nous avons préparé donc avec le festival littéraire Oh les beaux jours. Oh les beaux jours, dont ce sera l'année prochaine la première édition pleinement, mais là donc c'est acte 1, scène 1 avec le MUCEM pour ce rendez-vous autour de Beyrouth. Et puis ben, ce rendez-vous littéraire, il n'aurait pu se penser, se faire. On en l'évoquait tout à l'heure donc avec Cherif Majdalani qui est écrivain et qui aussi dirige cette maison des écrivains à Beyrouth. On était ensemble au mois d'octobre pour commencer à imaginer ce rendez-vous qui se passe ces jours-ci à Marseille. Marseille, Beyrouth, c'est toute une histoire, Cherif Majdalani. Je crois que vous aimez bien venir à Marseille, non? J'adore. Il marche? Oui, c'est quand on ne met pas trop pour le vent, mais ça marche. Mais Marseille, oui, j'adore. J'ai vécu à Aix pendant longtemps. Je ne suis plus venu à Marseille. En fait, je suis venu depuis très longtemps à Marseille. Et j'étais très heureux d'y revenir parce que ça fait longtemps. Et ensuite, parce que c'est une ville, c'était la grande rivale d'Aix. Et donc, quand on était saturé dans l'ambiance bourgeoise d'Aix, on venait à Marseille s'éclater. Et là, j'ai redécouvert une ville que je ne connaissais pas, en fait. Entre 1993 et aujourd'hui, ça a tellement changé que c'est extraordinaire. J'ai l'impression d'une autre ville en même temps. C'est une ville, notamment tout ce quartier que vous avez derrière. Juste là. Puis c'est aussi une ville qui est pas mal reliée avec Beyrouth et toute son histoire. Il y a des côtés semblables, il y a des choses qui se ressemblent, il y a le port, il y a la mer. Les tuiles aussi, on dit que les tuiles de Marseille. Mais bien sûr. D'ailleurs, dans mon premier livre, j'ai inventé une maison qui faisait des tuiles, Masse, parce que Masse est une famille que je connaissais de nom. Effectivement, on dit que les tuiles des maisons libanaises venaient des fabriques marseillaises. Oui, l'architecte Jacques Tabet m'a confirmé ça. Alors, puisqu'on est sur Marseille-Beyrouth et puis un peu sur la Provence de terre, on va parler d'Aix-en-Provence. Mais on pourrait parler de Manos, qui n'est pas étranger à un certain nombre de gens qui sont ici. Il se trouve, Cherif Majdalani, que vous êtes un récent prix Jean Giono. C'est un écrivain qui compte pour vous? Ah oui, beaucoup. Oui. Bah pourquoi? Pas parce que quand j'ai lu ça, j'ai aimé Jean Giono. J'aime beaucoup l'œuvre de Giono, notamment la deuxième partie de son œuvre, c'est l'œuvre d'après la guerre. Pour son caractère romanesque, pour la manière avec laquelle il traite la narration, pour la façon d'écrire. Et j'adore particulièrement, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. J'aime énormément un roman qui n'est pas un roman, un livre qui s'appelle Noé. Vous savez que c'est le plus beau texte sur Marseille. Absolument. C'est d'abord le personnage qui suit cette odeur, et ensuite son trajet dans le tram où il suit plusieurs personnages par l'imagination. Donc c'est un roman qui amorce plein d'histoires et qui les abandonne en chemin, qui raconte la manière avec laquelle un écrivain, à la vue d'une image ou en entendant une histoire ou en voyant un panneau sur une route comme ça, voit se déclencher chez lui dans son imaginaire une histoire. Et donc Giono l'élabore, la met en place, et ensuite l'abandonne, passe à une autre. Il y a une réflexion sur la fiction, sur la manière de construire une histoire, sur le personnage romanesque, sur la manière avec laquelle on pose des personnages et la manière avec laquelle on en abandonne d'autres, sans quoi on serait dans une prolifération infinie d'histoires dont lui-même rêvait et qui est le rêve de tout écrivain. Écrire un livre qui déploierait 50 000 personnages, c'est le rêve de Giono. Dans Noé, il dit qu'il aurait pu le faire, mais que c'était absolument impossible. Et en disant que c'est impossible, il le fait un peu. Donc c'est un écrivain exceptionnel. Donc cette esthétique du fragment, ça vous parle pas mal pour écrire ces livres. Élodie Caraki disait hier dans la première rencontre avec plusieurs des écrivains que la notion de maison et surtout de famille avait beaucoup d'âme. Ça, c'est le point fixe. Mais il y a finalement beaucoup de fragments qui sont à l'œuvre dans l'écriture de Cherif Majdalani. Des fragments, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires dans chaque... Chaque histoire qu'on raconte met en scène des personnages qui en fréquentent d'autres, qui sont eux-mêmes générateurs d'histoires, parce que finalement, chacun d'entre nous est le centre de sa vie, et sa vie est pleine d'histoires. Et donc là, ne serait-ce que dans l'assistance, il y a 50 millions d'histoires vécues, possibles, imaginables. Et donc je pense qu'effectivement, un romancier, c'est quelqu'un qui a envie aussi de développer à l'infini, comme je le disais. Et ce que je fais, c'est que dès que j'ai eu l'occasion de partir, de ramifier le texte vers d'autres histoires, et donc ça donne...
plus ou moins une série de fragments. Il y en a plus ou moins dans chaque roman, mais c'est effectivement important pour moi. Toutes tes notes sont en train de partir. C'est bien, c'est le grand vent de l'histoire. Moi, j'ai perdu un truc aussi. Mais c'est pas grave, on le rattrapera, comment dire, par l'imagination. Donc c'est bien. Voilà. J'aimerais souvent vous dire, c'est le cas dans l'histoire dans la Grande Maison, vous parlez d'écrivains. Vous définissez volontiers comme un écrivain méditerranéen. Donc c'est une notion qui m'intéresse un peu. Qu'est-ce que c'est pour vous cette référence à la Méditerranée à partir de Beyrouth? Il y a des choses communes à l'ensemble des pays méditerranéens, et en particulier cette chose dont on n'arrête pas de parler, c'est précisément la maison, la famille, le clan. La Méditerranée, géographiquement, m'intéresse parce que ces paysages m'intéressent, la lumière, le paysage humain, mais aussi le paysage humain, la structure sociale qui est récurrente d'un pays à l'autre de la Méditerranée, sont des choses qui me sont familières et que je retrouve chaque fois que je vais dans un pays méditerranéen, que je retrouve beaucoup moins quand je suis dans d'autres pays, quoique, et encore que, tout se ressemble un petit peu. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans la Méditerranée, c'est l'histoire ancienne, très ancienne, sur tout ce qui s'est fait autour de la Méditerranée, la littérature qui est née sur les bords de la Méditerranée, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. La littérature grecque ancienne, la littérature romaine, tout ça, c'est des littératures méditerranéennes. Et ça a fondé, je pense que l'origine de la littérature est en Méditerranée. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime la Méditerranée. Oui, c'est comme des strates d'imaginaire qu'on a pu voir d'ailleurs quand on a refait le centre de Beyrouth. Il y avait toutes les strates de l'histoire phénicienne, byzantine, jusqu'à évidemment la strate arabe et musulmane, et au fond toutes ces strates qui parcourent, qui circulent dans vos récits. Mais la référence à la Méditerranée à partir du Liban et de Beyrouth était quand même assez marquée, je dirais plus des chrétiens libanais que d'autres. Est-ce que c'est une notion qui existe, ça existait comme ça dans les années 50-60, est-ce que c'est toujours cette dimension méditerranéenne est une référence qui existe, ou les polarités politico-religieuses sont telles que cette dimension-là s'est dissipée aujourd'hui? Je ne sais pas, il y a quelque chose certainement qui fait que le Liban est un pays paradoxal, en ce sens que certainement qu'il regarde beaucoup vers l'Occident et donc vers la Méditerranée, parce que la Méditerranée pour nous est à l'Occident, est à l'Ouest. Et regarder vers l'Occident, c'est forcément regarder vers le monde de l'Europe, donc le nord de la Méditerranée. Et donc c'est une façon de regarder qu'auraient dans l'imaginaire plutôt les chrétiens libanais, alors que les musulmans seraient plutôt des gens qui regardaient vers l'Est, c'est-à-dire... Bon, c'est une construction imaginaire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que les musulmans sont aussi en Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée. On voit bien qu'il y a des polarités qui se mettent en... Alors je ne sais pas si c'est une construction, si c'est vraiment le cas, parce que je pense que les musulmans aussi, enfin j'aime pas trop parler de manière confessionnelle comme ça, mais regardent aussi vers l'Occident et vers l'Europe. De toute façon, le référent absolu aujourd'hui, malgré tout, ça reste l'Europe occidentale, notamment pour les gens cultivés, pour qui l'Occident, ça reste la construction démocratique, le monde développé. Mais il y a dans l'imaginaire, et en fait, dans mon imaginaire, à moi aussi, il y a l'Est. L'Est compte énormément, et donc le fait de tourner le dos à la Méditerranée. Maintenant, j'ai quelque chose quand même qui me titille quand on parle de la Méditerranée, c'est que les Libanais et les Béroutins en particulier, contrairement aux Marseillais par exemple, sont des gens qui ne sont pas des Méditerranéens. C'est très bizarre, tu as dû le sentir. Les Libanais vivent sur le bord de la Méditerranée, ils ont un port important. Ils sont attachés à la montagne. Ils tournent le dos à la mer. C'est-à-dire qu'il est rare d'aller dans une ville méditerranéenne avec un port où vous n'avez pas un restaurant qui ouvre sur la mer. Il y a très peu de restaurants de poissons. Il y en a, enfin, c'est pas là. Le Libanais est quelqu'un qui regarde la montagne. Parce que la population libanaise est une population descendue des montagnes, qui s'est installée à Beyrouth et qui continue à regarder vers la montagne. Et dès qu'il y a 3 minutes de congé, là, on file vers la montagne. La mer reste un élément relativement étranger à l'esprit libanais. C'est très bizarre. Nous sommes un pays méditerranéen, nous sommes à l'extrême... Est de la Méditerranée, on est le premier pays de la Méditerranée en fait, si on veut partir. Et pourtant, on est un pays qui ne regarde pas la Méditerranée. Bon, il la regarde beaucoup, mais c'est pas cette attirance. Et en même temps, on a toutes les caractéristiques des peuples méditerranéens. Et du coup, on regarde la montagne. Il y a l'imaginaire individuel. Chacun a son imaginaire. Et mon imaginaire à moi est montagnard sans doute, beaucoup moins en tout cas. Je suis vraiment de Beyrouth. C'est plus l'Est, c'est plus les déserts de l'Est. Et donc, il y a cette espèce d'intérêt
de déchirement bénéfique, la passion pour les déserts de l'Est et pour le monde méditerranéen à l'Ouest. Alors on le verra tout à l'heure effectivement quand on évoquera Caravanserai. Donc cette rencontre elle va être rythmée autour de trois livres de Sherif Majdalani, donc Histoire de la Grande Maison, Caravanserai et le dernier paru donc tous aux éditions du Seuil, La Villa des Femmes. Alors j'aimerais commencer, je vais pas me substituer à Serge Renko qui va lire tout à l'heure trois fois justement des extraits, mais juste un court extrait de l'histoire de la Grande Maison parce que ça nous permet d'entrer un peu dans ce récit et notamment dans Beyrouth et cette façon de construire, d'entrer dans la narration de vos livres. Puis je m'aperçus que j'avais imaginé les choses exactement comme ça, que à partir des bribes de ce qu'il m'avait concédé avec les années, j'avais reconstitué l'histoire telle qu'il me la disait, sans savoir toutefois s'il m'en avait lui-même très adroitement suggéré tous les éléments à mon insu ou si, fatalement, tout ce qu'il m'avait dit, comme une pente, avait fait confluer toutes les histoires vers celles qui me manquaient et que j'avais cru inventer. Toujours est-il qu'à ce moment-là, il me sembla que je possédais enfin toutes les pièces du jeu, que je pouvais désormais recréer l'histoire de la fratrie depuis le temps de la Grande Maison et des terres couvertes d'orangers jusqu'à l'exil des trois frères en Égypte et à leur retour. Une histoire qui venait finalement s'aboucher à la mienne après avoir croisé celle tout aussi tourmentée de ma mère. Et il me sembla aussi que les ponts, les jointures et toute la dentelle vertigineuse de détails, je pourrais aisément les imaginer sûr maintenant que ce que j'inventerais pourrait aussi bien avoir existé, que les différences entre le vrai et l'invention s'estompant naturellement, le vrai deviendrait légendaire et le légendaire acquérait authenticité au sein d'un seul et même édifice. Alors le vrai qui devient légendaire, le légendaire qui devient vrai, on est là un peu dans cette histoire de la Grande Maison et comment l'imaginaire, au fond, reconstitue une famille, un pays, une ville. Alors en fait, l'histoire de la Grande Maison, c'est l'histoire d'une fratrie, d'une famille, d'un homme qui fonde un domaine et ensuite l'histoire de ses fils. Mais c'est une histoire inspirée de celle de mon grand-père. Et en même temps que je raconte l'histoire de cette famille, j'essaye de raconter la manière avec laquelle se constituent les histoires familiales. En fait. C'est pour ça que c'est un roman qui... Oui, il y a toujours ces allers-retours entre, je dirais, la grande histoire et justement l'histoire familiale. Et donc, le narrateur lui-même est quelqu'un qui interroge son père sur sa vie et sur la vie de son grand-père. Et le père lui transmet des détails, très peu de détails en fait, et lui, il reconstitue. Et là où il y a des trous, il l'imagine. Et donc, d'une certaine manière, j'ai essayé de montrer que toute histoire familiale, toutes nos histoires familiales, toutes les histoires que l'on pense connaître de nos familles sont des histoires inventées. En tout cas, ce sont des récits qui ont été racontés. Et donc, forcément, quand on nous a transmis une histoire, la personne qui nous l'a transmise nous a donné des faits qu'il avait reçus, ou qu'elle avait reçus, à quoi elle a ajouté des détails inventés. Et donc, quand nous allons transmettre l'histoire, on va transmettre ce que l'on a entendu, ce que l'on a su, qui est à moitié inventé, et on va évidemment aussi broder autour, ce qui fait qu'au bout du compte, une histoire familiale, n'importe quelle histoire familiale que chacun de nous pense connaître, est une histoire entièrement fabriquée, refabriquée. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de montrer ici. Mais ce que ce le qui est le clan cas, des Nassars. Oui, le clan des Nassars. Mais ce qui est le cas de toutes les histoires nationales aussi. Je pense que toutes les histoires nationales, on le disait hier d'ailleurs, Oliver en parlait. Toute histoire nationale est une histoire, est un récit, est un roman d'une certaine manière, puisque on croit à toutes les histoires officielles, mais toutes les histoires ont été écrites par des romanciers, ont été racontées. Tout est récit, et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire là. Oui, parce qu'il y a vraiment une dimension généalogique. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on entre comme ça dans vos livres, on n'en sort pas indemne, mais on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on est saisi par ces histoires de famille, ces rebondissements, ces liens, qui ne sont pas du tout futiles, parce qu'il y a, à travers ces histoires, sans arrêt, l'écho de la construction du Liban, puisque le livre commence au 19e siècle et commence à voir comment, au fond, les notables bâtissent, sont les premiers bâtisseurs de ce pays.
Celui-là, mais également les suivants, et notamment l'avant-dernier, qui est le dernier Seigneur de Massad, c'est vraiment la manière dont avec laquelle s'est construite le pays. Alors évidemment, il y a, deux histoires qui fonctionnent ensemble. C'est l'histoire d'une famille, donc l'histoire de l'intimité des familles, et donc l'histoire individuelle de chaque membre de cette famille, et qui accompagne une histoire nationale. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça non plus, parce qu'en fait, il y a d'abord l'histoire familiale qui se construit toujours dans un temps qui est un temps vécu comme atemporel. Intemporel, on en parlait tout à l'heure avec le club de lecture. Une époque où les membres des familles qui vivent là pensent être dans une époque anhistorique, avant l'histoire, en dehors de l'histoire, sans temporalité. C'est l'âge d'or. L'âge d'or. Et puis, brusquement, l'histoire arrive. Il y a un afflux. L'âge d'or un peu mythologique en même temps. Complètement, fabriqué, inventé. Mais c'est l'imaginaire libanais qui s'est construit deux grands âges d'or. L'âge d'or d'avant la guerre mondiale et l'âge d'or d'avant la guerre civile. Et dans ces âges d'or, c'est toujours avant, avant l'irruption de l'histoire en fait. Et quand l'histoire arrive brusquement, elle fait entrer le temps, elle fait brusquement affluer le temps. Et le temps arrive et du coup, les personnages se trouvent installés dans le temps et dans l'histoire. L'histoire heurte tout ça et c'est à ce moment-là que commence l'effondrement progressif d'un univers, d'une famille, d'un monde entier, d'un pays. Donc c'est un petit peu ce que je racontais. Du coup, j'ai un peu oublié ta question. C'est la construction justement à partir de ces histoires familiales et de ces allers-retours. Il y a aussi toujours des histoires d'alliances justement par les femmes, de clans, de rapt, des notables, de Joachim Nassar et Hélène Kalas, qui entre un orthodoxe et maronite, parce qu'on dit toujours pas de possibilité de mariage entre un chrétien et un musulman, mais entre un grec orthodoxe et un maronite, c'est pas tout à fait simple. Oui, c'est ça, plus. Parce que tu parlais des notables, effectivement, parce que l'histoire moderne s'est fabriquée à partir de la notabilité. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'histoire du Liban en dehors des grandes familles de notables, les grandes familles de notables. Et ce que j'ai essayé de montrer dans l'histoire de la grande maison et dans Le Dernier Seigneur, c'est comment se construit une notabilité. Comment un homme fonde un pouvoir autour de sa famille, puis ensuite il construit une maison, et la maison est fondamentale, parce qu'autour de la maison vont graviter toute une clientèle. Va graviter toute une clientèle qui va demander des services à un notable. Et en contrepartie de ces services, il va en demander aussi à sa clientèle qui deviendra son appui politique. Et c'est comme ça que se construit une notabilité politique. Et donc d'une notabilité familiale, on passe à la notabilité politique. Et c'est sur la base de la notabilité politique que se construit l'État libanais à un moment donné. Et c'est par la remise en cause de ces notabilités que va se déclencher entre autres la guerre civile. Et donc, effectivement, tout ça... On y viendra un peu plus tard, puisque chemin faisant, on va avancer dans l'histoire. Eh bien, chemin faisant, nous allons entrer dans l'écoute de la littérature des textes de Sharif Majdalani. Donc, un extrait de l'histoire de la Grande Maison, lu par Serge Rinko. Malgré le vent. À nouveau, il se taisait, protestait et s'adossait au fauteuil, l'air vague et lointain, marmonnant qu'il n'en parlerait jamais, jamais, que c'était une histoire d'un autre âge, que rien ne valait qu'on l'on réveillât les morts. Il reprenait ensuite le paquet de cartes qu'il se remettait à battre sans fin pour occuper ses mains, un paquet qui lui avait servi initialement à faire des patiences, avant qu'il renonce même à cette activité inutile, se contentant de battre les cartes à longueur de journée, puis de les reposer sur la tablette près de lui, à côté du répertoire téléphonique dans lequel presque tous les numéros étaient ceux de mort, dont chaque nom rappelait un pan de vie, une histoire effondrée, partie, disparue, emportée comme tout autour de lui, lui qui restait là, solide comme un roc, survivant d'époque presque héroïque, dernier rejeton d'une immense fratrie dont tous les membres étaient morts l'un après l'autre et dans l'ordre, le laissant seul au milieu d'un champ de ruines, celui des souvenirs, de cette mer d'histoire dont il parvenait maintenant de moins en moins à démêler l'inextricable écheveau, reprenant alors le paquet de cartes, les battant une fois, deux fois, puis les reposant et se taisant toujours jusqu'à ce que je lui repose une autre question sur quelqu'un d'autre, sur une autre histoire saugrenue ou lointaine ou invraisemblable. Il réfléchissait un instant, mélangeait quelques dates, quelques guerres, puis retrouver le fil, remonter aux origines, à l'exode initial, aux orangers, aux réfractaires en fuite, au bannissement du père, au village détruit d'Anatolie. Puis, il faisait un grand écart dans le temps, enjamber une décennie, celle dont je voulais qu'il parle, retrouver les déserts d'Égypte, le ravitailleur en flammes dans le canal de Suez, le rire du soldat éthiopien, revenait en arrière, reprenait lentement les choses à rebrousse-poil, parlait de la branche aînée de la famille, de la disette,
de la grande maison à la dérive, des vergers liquidés pour rien, se rapprocher en cercle concentrique de l'histoire mystérieuse, de la chose innommable, la serrer de près, la toucher presque, parler d'une panhare en bas de l'escalier de la grande maison. Je me taisais comme on retient son souffle devant un funambule qui touche au but, mais il venait finalement se heurter à nouveau à l'innommable, souffler longuement, se morder la lèvre inférieure, marmonner une formule de conjuration et se taiser, reprenait le paquet de cartes et jurait que jamais, au grand jamais, il n'en parlerait. Et puis soudain, un jour à midi, pendant qu'il déjeunait, assis à la même place depuis 40 ans, devant l'immense table où plus personne d'autre que lui ne s'asseyait, sauf lorsque nous venions lui tenir compagnie, comme je faisais ce jour-là, et déjeuner chez lui, et toujours après lui, car depuis la mort de notre mère, il avait si imperceptiblement avancé les heures de ses repas qu'il déjeunait presque à l'heure où nous petits déjeunions. Un jour donc, à midi, ou plus justement au moment de son déjeuner, alors que je le distrayais en lui posant encore et encore les mêmes questions, sans qu'il se rende vraiment compte que je connaissais toutes les réponses sauf une, au lieu de recommencer à tourner en rond inexplicablement, il prononça les mots fatidiques. Il livra le dernier secret. Il marmonna qu'il l'avait fait jeter en prison après lui avoir tendu un piège honteux. À charge pour moi de comprendre que c'était ceux de la branche aînée et lui, l'un de ses frères, un de mes oncles. Je demeurai un instant stupéfait, ébloui, recueillant dans le silence le plus pur que je pus installer en moi ces paroles plus précieuses que l'or. Puis je m'aperçus que j'avais imaginé les choses exactement comme ça, que, à partir des bribes de ce qu'il m'avait concédé avec les années, j'avais reconstitué l'histoire telle qu'il me la disait, sans savoir toutefois s'il m'en avait lui-même très adroitement suggéré tous les éléments à mon insu, ou si, fatalement, tout ce qu'il m'avait dit comme une pente avait fait confluer toutes les histoires vers celles qui me manquaient et que j'avais cru inventer. Toujours est-il qu'à ce moment, il me sembla que je possédais enfin toutes les pièces du jeu, que je pouvais désormais recréer l'histoire de la fratrie, depuis le temps de la grande maison et des terres couvertes d'orangers jusqu'à l'exil des trois frères en Égypte et à leur retour. Une histoire qui venait finalement s'aboucher à la mienne après avoir croisé celle tout aussi tourmentée de ma mère. Et il me sembla aussi que les ponts, les jointures et toute la dentelle vertigineuse de détails, je pourrais aisément les imaginer. Sûr maintenant que ce que j'inventerais pourrait aussi bien avoir existé que les différences entre le vrai et l'invention s'estompant mutuellement. Le vrai deviendrait légendaire et le légendaire acquerrait authenticité au sein d'un seul et même édifice. Et tandis que le moment d'éblouissement mental me passait, j'entendis mon père ajouter en regardant à travers moi vers le lointain en lui-même que tout cela, en tout cas, l'errance des fils, l'exil en Égypte et tout le reste, c'était la faute d'une absence, celle du père, le sien propre et celui de toute la fratrie, un homme trop imposant, trop fort, et qui était mort si tôt que tout l'univers qu'il avait construit autour de sa personne s'était évanoui avec lui. Cela, je le savais. Mais l'aveu était fait dans une espèce d'absence, d'état second, et pris par le ton rêveur qu'il employa pour le dire, un sens augural. Je compris alors qu'il était temps pour moi de commencer et que je ne pourrais que commencer par là, par l'histoire du père. Pas de meilleure façon que d'entrer dans un livre, comme ça, d'entendre Serge Renko, au fond, nous narrer ces histoires de la grande maison et celles de ses secrets de famille. Parce qu'il y a quelque chose qui apparaît souvent, c'est un Liban des prédateurs. De ces familles qui se divisent, et puis des terres qu'il faut s'accaparer, des héritages. C'est quelque chose qui est là d'emblée, dès le début de cette histoire, mais qui ne cesse de parcourir et vos livres et le Liban contemporain. Bah, c'est la guerre. La guerre. On a... Ah là là.
C'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. On n'a pas arrêté de parler de la guerre. Enfin, dès qu'on parle du Liban, on parle de la fameuse guerre civile. Je disais tout à l'heure qu'il y a aussi un après-guerre aujourd'hui. Mais en fait, on est sans arrêt dans la guerre, en ce sens où on est tout le temps, effectivement, dans le conflit familial, intrafamilial, entre les clans, entre les communautés. Et que c'est tout le temps un état, effectivement, de prédation permanente autour de valeurs qui sont encore celles de la Méditerranée ancienne et antique, en fait. La terre, la maison, la femme. La tribu, le clan. Absolument. Tout ça, c'est tout le temps en guerre. Tout le temps en guerre. Une dimension très, au fond, très archaïque. On sent, quand, tout à l'heure, vous disiez que la littérature antique vous intéressait. On sent cette présence-là qui irrigue les personnages et ces histoires de famille. C'est-à-dire qu'on pensait à la Sicile, par certains côtés. Mais complètement, oui. La Sicile et tous les pays méditerranéens, mais la Sicile particulièrement, grâce à certains grands textes. Mais je crois que ce qui m'a intéressé dans la littérature antique, que je ne lis pas dans le texte, c'est pour ça aussi, donc ce n'est pas une question de langue qui m'intéresse, c'est les histoires que raconte la littérature antique que je retrouve incarnées dans le quotidien de nos peuples, de nos pays, et notamment le mien. Et du coup, effectivement, ça a tellement fait des échos que quand je me mets moi-même à raconter l'histoire de ces familles libanaises et de leur destin, ça fait écho avec mes lectures de la littérature antique qui revient, qui afflue et qui se retrouve dans mes livres. Oui, de la littérature antique ou de la littérature plus contemporaine. Là, en entendant La Grande Maison, je me disais, tiens, il y a quelque chose qui me fait penser au guépard. Oui. Je suis très heureux qu'on me dise ça. On a beaucoup parlé du guépard à propos du dernier seigneur de Marsade, en fait, parce que c'est l'histoire d'un homme qui se trouve affronté au changement, non pas ceux du passage de la Première Guerre mondiale au Liban moderne, mais du Liban des Trente Glorieuses à la guerre civile. C'est quelqu'un qui ne voit pas les changements arriver, comme tout le monde, mais qui, quand les changements arrivent, contrairement au guépard de Lampedusa, ne les accompagne pas intelligemment, mais il résiste, ne veut pas les voir, ne veut pas les admettre, et quitte à ce qu'ils soient emportés avec tout ce qui sera emporté, à force d'être rigide, on finit par casser, et cet homme-là casse et disparaît, et meurt, et est assassiné. Donc on a beaucoup comparé au guépard, et ça m'a fait très plaisir, évidemment, parce que c'est une référence fondamentale pour moi. Sauf qu'il y a une grande différence, c'est que le guépard est un homme intelligent qui voit les changements et qui les accompagne intelligemment en se disant plus on va accepter que les choses changent, plus rien ne changera jamais. Alors que mon personnage, lui, il ne veut pas que ça change et à tel point, il est tellement rigide qu'il cassera et il sera emporté. Alors on va maintenant cheminer vers un autre roman, un autre personnage tout à fait romanesque, au fond une figure d'aventurier, et qui est donc dans Caravanserai. Alors, pour revenir encore, puisqu'on voit bien qu'il y a des fils qui nous traversent, le lien avec l'Antiquité, vous avez mis en exergue cet extrait de l'Odyssée d'Homère. « Il est temps maintenant que tu penses à ton retour, sous le toit élevé de ta maison et dans la terre de tes pères. » Donc c'est un épigraphe, la maison, le retour. C'est au fond un peu le sens de ce Samuel qui part très très loin. Donc il y a une dimension, vous disiez tout à l'heure, je suis attiré par la steppe, par les déserts, et on est là avec ce personnage de Caravanserai. On va très très loin au Soudan pour remonter jusque dans les batailles de la Première Guerre mondiale. Comment est née cette histoire, et au fond c'est l'autre, comment dire, c'est l'arrière-pays, comme dirait Yves Bonnefoy. L'arrière-pays, oui, c'est un peu l'arrière-pays. Cette histoire-là est inspirée, mais très lointainement, de l'histoire de mon autre grand-père. Décidément, quelle belle histoire de famille. Oui, j'ai la chance. En même temps, j'ai beaucoup réinventé toutes ces histoires-là. Mais effectivement, mon grand-père a émigré au Soudan très très tôt, en 1900, au moment où le Soudan a été reconquis par les Anglais. Et j'ai découvert dans un minuscule texte qu'il avait écrit pour une revue anglaise en 1922-23, un récit de bataille contre des espèces de mahdistes dans l'ouest du Soudan, c'est-à-dire au niveau du Tchad aujourd'hui. Et en notice de ce texte, l'éditeur disait « Ce texte est très bien documenté parce que son auteur a fréquenté les événements ». J'ai découvert à ce moment-là que mon grand-père avait sans doute été bataillé dans les fins fonds du... C'était très bizarre parce que ma mère est née longtemps après. Quand ma mère me racontait l'histoire de son père, c'était plutôt un homme de l'administration britannique. Et enfin, j'ai découvert qu'en fait, avant ça, il avait été aventurier. Et donc, ça a déclenché l'imaginaire. Et du coup, j'ai beaucoup inventé à partir de cet élément. Alors, c'est une histoire qui part de faits véritables, donc l'émigration au Soudan des Libanais. Il y en avait beaucoup qui sont partis au Soudan. Bon, pas beaucoup, enfin, il y en a eu quelques-uns. Son histoire à lui, particulièrement au service de l'armée britannique qui va se batailler. Il était au service d'un général anglais qui s'est trouvé le conquérant de la Palestine pendant la Première Guerre mondiale, le général Allenby. Et il y a un événement véritablement, absolument vrai, le seul, c'est la rencontre de ce personnage avec Laurence d'Arabie.
Donc il y a un moment où c'est vraiment authentique. C'est ma mère qui me l'a raconté. Je vais donner à entendre justement le tout début avant que Serge Hanco le lise un peu plus tard, mais pour donner justement cette dimension, épique, je dirais presque, de ce livre, et qui encore une fois fait référence à l'antique. C'est une histoire pleine de chevauchées, sous de grandes bannières jetées dans le vent, d'errance et de sanglantes anabases. Tiens donc, se dit-il en songeant que cela pourrait être la première phrase de ce livre sur sa vie qu'il n'écrira jamais. Puis le tic-tac des roues à eau sur le canal le distrait. Il se redresse dans son fauteuil en osier et s'y adosse en savourant, depuis la terrasse où il est assis, le silence qui est un don du désert, que le désert étend à sa paradoxale générosité sur les plantations, les masses sombres des pruniers, les abricotiers, sur les terres à pastèques et les terres à melons. Un silence que seul depuis des millénaires, le tac-tac des roues à eau scande de son rythme lent et sec. Il y a une sorte de dimension de l'épopée, non ? L'anabase. Écoutez, oui, je suis content que vous me le disiez. Ça fait toujours plaisir quand on vous dit une chose que vous aviez voulu faire, en fait. Mais l'anabase, oui, parce que l'anabase, c'est le texte de Xénophon. Et c'est effectivement une sorte de long voyage, de long périple. Mais l'anabase, c'est aussi l'anabase d'Alexandre le Grand, qui a écrit un historien grec qui s'appelle Arien, qui est aussi une espèce de très long voyage, comme ça. Et c'est des textes que j'aime beaucoup. Donc ça se voit, apparemment. Pour reprendre encore un fragment sur le romanesque, les bribes hautes en couleur qui ont survécu de l'histoire de mon grand-père sont pleines de chevauchées sous des bannières jetées dans le vent, de banquets insolites et de bains dans le désert. Ouais, je dirais pas, c'est pas du tout orientaliste, mais au fond, vous y allez, vous n'avez pas peur d'y aller dans cette dimension un peu mythologique de l'Orient, du désert, de ces personnages un peu qui hantent l'histoire quand on parle un peu de cet Orient lointain. Il y a un grand problème avec ce livre, effectivement, parce que c'est effectivement un roman que l'on peut considérer comme un roman orientaliste. Alors moi, évidemment, comme tous les Libanais, comme tous les Orientaux, on est extrêmement prudent et allergique à l'orientalisme. Mais pas à l'orientalité. Non, en même temps, on est nous, comme n'importe quel occidental aujourd'hui, on est né dans l'orientalisme. C'est-à-dire que la manière avec laquelle nous avons envisagé notre pays, on nous l'a montré, on nous l'a dessiné, on nous l'a raconté. Mais c'est absolument orientaliste. Quoi. On a beau faire, on est très objectif, on est très rétif, on essaye d'être... la manière avec laquelle on parle du Liban, moi et mes collègues, on est absolument rétif à la moindre allusion possible à l'orientalisme. On essaie de faire d'un pays réel qui ne serait précisément pas le pays orientaliste. Et en même temps, l'orientalisme, moi en tout cas, j'ai vécu dedans, il me fascine, ça m'intéresse. Donc bon. Et à la limite, on a envie que cet Orient qu'on nous a raconté soit réel. Et pourquoi ne pas se réapproprier ces personnages sans être prisonnier de cet imaginaire ? C'est un peu ce que j'ai fait là-dedans. Et il me semble. À un moment donné, le personnage, le narrateur, c'est un narrateur qui raconte, qui va imaginer une scène, et à un moment donné, il va dire « J'ai imaginé une magnifique scène orientaliste », et il est fier de lui. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce de retour d'assume. Enfin, le personnage assume le fait que ses rêveries sur son grand-père sont des rêveries orientalistes. Il le dit, il en est content. Mais il y a toujours ce recul du narrateur qui le dit. Attention, je fais de l'orientalisme. J'aime beaucoup ça, mais je le fais en ayant clairement conscience que je fabrique un discours, que je refabrique un discours. Et puis c'est l'histoire quand même de ceux qui s'en vont. Donc vous dites notamment, vous écrivez, parmi les nombreuses histoires sur ces hommes qui se sentirent à l'étroit entre la montagne et la mer et qui quittèrent le Liban au début du XXe siècle, celle de Shafik Abiad est sans aucun doute une des plus singulières. Donc c'est aussi, au fond, ce que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y a plus de Libanais dans le monde qu'au Liban. Et donc c'est quand même un pays qui a inspiré de grands départs, même s'il y a des désirs de retour. Ah oui, mais l'émigration fait partie de l'histoire. Il y a deux manières de vivre le Liban historiquement. C'est soit effectivement dans la construction d'une maison et dans l'établissement d'une puissance notabilière ou le rêve d'une puissance quelconque, et le fait de partir pour s'enrichir et revenir. Alors, il y avait toujours ce retour, ce rêve du retour. C'est pour ça que c'est un rêve de départ et de retour aussi. Et ce personnage de Shafik Abiad est un, comme tous les Libanais sont partis faire du commerce, et surtout ceux qui sont partis en Afrique, et faire du commerce et revenir riche. Alors lui, évidemment, il va faire du commerce, mais comme il ne veut pas...
il ne veut pas vendre du tissu ou des pacotilles, il va avoir une idée complètement saugrenue. Et donc il va acheter un palais qu'il va découper et essayer de vendre à des petits princes dans le désert. C'est le côté on a vraiment complètement improbable. C'est-à-dire là, on sent qu'il y a presque une dimension de dérision ou de vanité de transporter ce palais à chameau à travers le désert pour essayer de le vendre. C'est l'idée de faire un coup, un formidable coup. D'un seul coup, là, je m'enrichis. Et effectivement, c'est complètement loufoque de sa part. Mais en même temps, il y a là-dedans toute des réminiscences littéraires et cinématographiques. Enfin, lesquelles j'ai été beaucoup fasciné par l'idée que pendant, il paraît qu'au XVIIe siècle, il y a des espèces de fous espagnols qui sont remontés l'Amazonie avec des morceaux de palais baroque pour les reconstruire à Manaus. C'est Fitzcarraldo, ça, encore. Et du coup, après, cinématographique à Fitzcarraldo, évidemment, qui est une grosse... Fitzcarraldo est beaucoup dans l'idée de ce personnage, effectivement. Mais il y a en même temps la démesure des l'absurde condition du commerçant libanais. Je ne sais pas, on en trouve partout. Je ne sais pas si mon imagination l'a inventé ou pas, mais je me demande, peut-être que c'est le cas. Au fin fond de l'Afrique, on sait bien. Mais pire que ça, je ne sais pas si c'est le cas ou si je l'ai inventé, mais il me semble. Sous toute réserve, que dans Lévi-Strauss, dans le triste tropique de Lévi-Strauss, quand Lévi-Strauss part à la recherche de la dernière tribu qu'il va rencontrer en Amazonie, qui est une tribu auquel personne n'a jamais eu accès dans le monde civilisé, en remontant avec sa pirogue, il y a une pirogue qui revient avec un Indien en train de ramer et un Blanc. Et ce Blanc, c'est un Libanais qui est en train de vendre des pacotiers à cette tribu. Alors, je ne sais pas si je l'ai inventé, mais il est possible. Enfin, en tout cas, c'est une belle fiction. C'est une belle fiction totalement vraisemblable. Donc, voilà. Eh bien, on va l'entendre, donc, ces personnages de Caravansera, élu par Sergent, quoi. Lorsque deux émigrés libanais se rencontrent à des milliers de kilomètres de leur pays, la première chose qu'ils font, je suppose, c'est se saluer avec délectation dans leur langue commune, retrouvant la familiarité des syllabes liquides, des voyelles ouvertes, jouissant de ce relâchement de l'effort de l'élocution, surtout comme c'est sans doute le cas de Samuel Hayad et de Shafiq Abiyad, ils ont dû pendant des années parler un arabe qui n'est pas le leur, abrupt ou rugueux. Les voilà donc qui se serrent la main. Ils sont un peu comme Stanley retrouvant Emin Pacha ou Livingstone. Et Samuel dit sans doute quelque chose du genre « Shafiq Abiyad, je présume », mais dans la langue de Beyrouth. Shafiq Abiyad opine en gardant un long moment dans sa main celle de l'homme qui vient enfin de le rejoindre là où il s'est arrêté pour l'attendre, à quelques heures de marche de Ouara, la cité abandonnée au milieu des petites collines légèrement boisées, couvertes de genêts et même de chênes verts, qui ne sont pas sans rappeler certains paysages du Liban. Et c'est une des premières choses que fait remarquer Samuel à Shafiq. Ce dernier confirme, et en allant s'asseoir à l'ombre d'un acacia sur des tapis ou sur des chaises basses, les deux futurs compères évoquent les pins du chouf et les oliviers du Koura. Puis ils parlent de leur origine, essayent de démêler leur généalogie, déclinent l'itinéraire de leur vie pour voir si, quelque part, ils ne se sont pas croisés ou si une parenté insoupçonnée ne les lie pas, car le Liban est si petit. En buvant le thé que leur servent les caravaniers assis à l'écart, à l'écart aussi sont stationnés Gawad et les cavaliers accompagnant Samuel, ils en arrivent finalement à ce qui les a amenés dans ce pays ingrat. Lorsque Shafiq a fini de conter son histoire, il emmène Samuel se promener parmi les centaines de ballots de sa cargaison étalés sous les sycomores, entre les buissons de genêts et les bosquets d'épineux, somptueux et pitoyables, comme un déménagement royal sous la menace d'un huissier. Et Samuel découvre alors les miroirs de bronze, sous leurs bâches fatiguées, le mur aux oiseaux jeté tel un vieux tapis dans le sable sous la violente menace du soleil, et les fragments de plafond sculptés que des morceaux de drap de fortune dissimulent d'un côté mais laissent voir de l'autre comme une couverture trop petite que se disputent deux dormeurs dans un même lit. Tandis que Shafiq l'entraîne ainsi, l'air fatigué, d'un morceau à l'autre de son palais barbaresque, piteusement déballé au milieu de la savane, il dévisage son compatriote dont il n'entend plus les explications. Celles-ci sont d'ailleurs de plus en plus brèves, hélas. Elles finissent par se résumer à de vagues signes de la main, servant aussi bien à indiquer les fragments numérotés d'une fontaine de marbre à la mauresque ou la cheminée en cloche, qu'à signifier que tout ceci est probablement destiné à un naufrage imminent. Et Samuel,
finit forcément par se demander si Shafik Abiyad n'est pas un peu toqué. Puis il se dit peut-être qu'après les lubies du colonel Moore, il va devoir maintenant subir celles de ce Shafik Abiyad. Mais il est du genre à endosser les lubies des autres, à les faire siennes. Et le voilà qui se laisse embarquer avec Shafik dans son odyssée tordue. Au commencement, c'est sûrement dans le but de lui donner un coup de main. Il a 25 guerriers nègres de la tribu de Gawad, prêtés par Qassem Vajabr, mais qui se feraient mettre en pièces pour lui. Il a des cartes qui ne servent à rien puisque c'est lui qui les dresse à partir de ce qu'il voit, mais ça donne de l'assurance. Il a surtout de l'or, de Moore. Mais ça, il n'en dit rien au commencement. Et puis, à deux, c'est toujours plus facile. Au commencement, donc, les deux hommes décident de récupérer ce qui est resté dans la zériba française. C'est Samuel qui se rend dans le fortin où il paraît clair que des tribus ont campé et des caravanes fait des haltes. Il y a des traces de feu, des éléments entreposés ont été fouillés, mais tout semble intact. Le moucharabier, aussi bien que les portes sculptées de la cheminée en cloche. À l'évidence, les chefs de tribu ou les chameliers ont dû se gratter la tête au spectacle de cette caverne d'Ali Baba. Ils ont dû y chercher en vain de l'or ou des objets précieux, à défaut de quoi ils se sont contentés de prendre plaisir à dormir environnés de cette pompe incompréhensible avant de partir en haussant les épaules. Lorsque l'aile est rejoint le reste du palais, ce dernier, à peu près rassemblé, repart à dos de centaines de bêtes sous la protection des 25 guerriers et sous le double commandement de Shafik Abiyad et de Samuel Hayat. Pendant des mois, on va à nouveau de chef de tribu en prince nègre en un immense cortège qu'il faut 10 minutes au galop pour remonter en entier, qui s'étire dans le même éternel décor de sable rouge, ponctué de bosquets de genêts, d'acacias et de baobabs, et où, de temps à autre, le vent lève des colonnes de poussière qui semblent faire de grands signes aux voyageurs. Mais l'importance du convoi cache en réalité d'énormes problèmes. Shafik Abiyad est ruiné. Il doit de l'argent à ses hommes qui ne le suivent plus qu'en attendant de recevoir leur solde. Entre-temps, ils n'en font qu'à leur tête, donnent leur avis sur chaque nouvelle destination au lieu de servir de guide ou de s'occuper des animaux, rechignent à aller là, pensent qu'ici on aura plus de chance, comme si la vente de la cargaison était devenue leur affaire à eux et non plus celle du Libanais. Et ceci est le prétexte de conciliabules interminables, de discussions et de disputes dont Shafik Abiyad sort épuisé et abattu. Aussi, au bout de 15 jours de ce cirque, Samuel intervient. Brandi de l'or puisé dans les caisses du trésor britannique et mis à sa disposition pour d'autres causes par le colonel Moore, et sous les yeux stupéfaits de Shafik Abiyad, il convoque les convoyeurs et paye leurs dettes. Pour donner du décorum à la cérémonie et pour marquer les esprits, il s'assoit comme un roi sous un baobab, se fait entourer par ses guerriers nègres et ses gawads qui, sur ses ordres, règlent à chacun son dû. Après quoi, il déclare d'un ton qui ne supporte pas la réplique que ce sont désormais les deux blancs qui décideront de tout, sans discussion. Puis, face à Shafik qui feint de vouloir protester, il explique en aparté que cet argent aussi n'est qu'un prêt de sa part, mais que lui saura attendre pour le remboursement que l'on ait vendu le palais. Or, évidemment, ce dernier reste invendable. Le pays est de plus en plus pauvre et les princes de moins en moins puissants. Le sultan de Tama envoie des messagers pour presser la caravane car il se dit intéressé, mais quand cette dernière est devant la demeure en briques, il se rétracte, découvrant sans doute que la marchandise est au-dessus de ses moyens. Et pour ne pas perdre la face, il se fait porter pâle pendant des jours. Assis là, le sultan reçoit Samuel et Shafik, mais leur tient des discours désabusés. J'ai les Français à l'ouest, les Anglais à l'est. Tôt ou tard, les uns ou les autres enverront leur armée. Il n'y aura peut-être bientôt plus, même plus de sultan de Silla. Alors à quoi bon acheter une nouvelle résidence pour loger une dynastie finie ? Puis il se tait. Et le lendemain, la caravane repart.
Un après-midi, quelques cavaliers de Samuel s'éloignent pour rapporter du gibier. Ils s'attardent, on les perd, mais depuis une petite colline, on finit par les voir dans la savane. Et Samuel, pour distraire un peu sa troupe, fait découvrir un des miroirs de bronze et s'en sert pour réverbérer la lumière du soleil et envoyer des signaux aux cavaliers égarés. Shafik Abiyad, qui a retrouvé sa bonne humeur grâce à la présence de Samuel à ses côtés, suggère alors en riant que, à défaut de vendre la cargaison, on pourrait en utiliser les pierres et les miroirs pour construire un phare à l'intention des humains et des bêtes égarées dans le désert. Tout le monde trouve l'idée remarquable et plus utile que ce palais dont personne ne veut. En attendant, Shafik et Samuel se servent des miroirs pour faire leur toilette quotidienne, démaillotant tous les matins par le haut les grandes psychées au cadre torsadé de feuilles d'acanthe devant lesquelles ils se rasent et se frottent le corps. Sous l'effet de leur rencontre, les deux hommes ressentent soudain le besoin d'un peu du confort dont ils sont privés depuis des années. Ils rêvent d'un cigare après chaque repas et aussi de manger à table. Pour cela, ils profanent deux portes en bois ouvrées qu'ils posent sur un coffre nacré, fabriquant ainsi le meuble de leurs rêves. Et puis un jour, qu'ils sont de passage dans un fortin français, ils achètent à prix d'or les vulgaires chaises de bureau d'un capitaine. Et devant le souverain à l'effigie du roi Georges que Samuel exhibe, l'officier français hésite, puis empoche la pièce en déclarant « Ah, vous êtes de l'armée britannique. On est riche, apparemment, dans l'armée britannique. » Après quoi, eux qui trimballent depuis des mois et des années un sérail et son mobilier, des bronzes, des bois sculptés et des peintures murales que les musées du monde leur enviraient, ils sont heureux comme des enfants de pouvoir tous les soirs s'asseoir à table sur deux chaises branlantes au milieu du désert ou entre les acacias d'une oasis ou sous un baobab au milieu de rien, environnés d'animaux que l'on décharge et d'un campement que l'on dresse et de dîner en discutant comme dans la salle à manger d'une maison bourgeoise de Beyrouth. » C'est assez savoureux quand on est à Marseille de voir les cloches qui accompagnent l'épopée dans le désert. Ça restera dans l'enregistrement comme un moment rare de croisement entre plusieurs mondes. Mais au fond, c'est un peu ce qui se passe à Beyrouth, non ? Les cloches, Muezzin, les différentes. Voilà, on est au croisement et dans cet univers. Alors, pour terminer sur Caravanserai, justement, je vais revenir au début et à la fin de ce texte. Je relis l'épigraphe d'Homère. Hein. « Il est temps maintenant que tu penses à ton retour sous le toit élevé de ta maison et dans la terre de tes pères. » Et on voit, on lit à la fin de Caravanserai, le personnage de Samuel qui enfin rentre après une bonne épopée à Beyrouth. Et les derniers fragments du livre, quand il parle de celle qu'il a rencontrée, quand elle a tout vu, au lieu de revenir vers la voiture, Émilie lui donne ordre de suivre et pendant le reste de la journée, c'est-à-dire jusqu'à Zahleh, la dernière étape de la caravane avant Beyrouth, elle va aller aux côtés de Samuel à cheval. Et Samuel sent à nouveau que cette fois, son errance est terminée, qu'il est véritablement revenu chez lui. Donc c'est une façon de boucler la boucle. Ben, c'est le rêve de tous les émigrés de revenir, de construire une maison. Et beaucoup d'émigrés libanais qui se sont envoyés, qui ont envoyé de l'argent au pays pour qu'on leur construise une maison. Et on s'est souvent moqué d'eux, on n'a rien construit du tout. Et là, le personnage, il revient et il ramène la maison avec lui, en fait. Et puis bon, cette errance, c'est une errance un peu d'Ulysse, puisque quand il rentre, il rencontre la femme. Dès qu'il arrive, une espèce de paradis, il y a un pique-nique et il y a une femme qui fait pique-nique avec ses copines. Et c'est elle qui sera une penosica, je ne sais pas. Et donc, à qui il va. En fait, ce livre, je l'ai conçu. En fait, je rêvais d'écrire un grand poème, en fait. Un grand poème de l'errance sans histoire. Une espèce de description. Tiens, on retrouve Giono, là. Hein ? On retrouve un peu Giono. Mais absolument, tout à fait. Le rêve d'une espèce de grande errance sans véritable fil, comme un grand poème épique. Et en définitive, ça aurait pu être ça, mais en même temps, ça tient pas debout quand on propose un roman qui est une errance sans fin.
C'est un peu bizarre. Et le fait qu'il rencontre en effet cette femme, il va trouver le but de cette errance. Enfin, tout ça va subitement prendre sens puisqu'il va lui offrir le palais. Il va lui dire bon, ce palais est à toi, et on va le construire et habiter dedans. Et donc, c'est totalement absurde. Au contraire, trouve c'est un geste d'amour pour terminer le périple. Quoi. Mais ça donne du sens. Ça donne c'est du sens grave. À toute l'histoire. Et je crois que c'est extrêmement important que toutes ces errances absolument inutiles et interminables aboutissent à quelque chose. Et je crois que c'est le sens de cette rencontre finale, c'est celle qui donne du sens. Comme dans toute entreprise humaine, si à la fin elle n'a pas quelque chose en quoi se concrétiser, elle est dans une espèce d'absurde, d'informel. Et en même temps, l'art romanesque nécessite, enfin, le roman nécessite forcément une retombée finale. Donc à la grande, on avance dans l'histoire et dans notre rencontre. Dans la grande maison, on était au 19e siècle. Dans Caravansérail, on est dans la Première Guerre mondiale. Il y a effectivement la figure de Laurence d'Arabie qui ressurgit. Et puis ben, dans le dernier paru, Villa des femmes, on est vraiment dans presque le contemporain, enfin, les années de la guerre, des années 70 et un petit peu avant. Et j'aime bien, au fond... partir de pour chacun de ces livres de vos épigraphes, j'ai l'impression que vous les choisissez très très soigneusement. Et donc là, c'est William Faulkner, Absalon, Absalon. Il arriva par l'allée sur son cheval et entra de nouveau dans notre vie. Pourquoi Monsieur Faulkner est-il surgi comme ça dans cette Villa des femmes? Parce qu'en fait, j'aurais pu mettre Villa des femmes, l'exergue aurait pu être celui de Caravansérail, en fait. Parce que c'est l'histoire, ce personnage qui revient, qui surgit dans nos vies, c'est l'homme qui revient, comme Ulysse. Et il y a deux, dans Villa des femmes, il y a deux textes qui étaient l'horizon vers lequel je tendais, l'Odyssée d'Homère, une fois de plus. Et Absalon, Absalon. Absalon, Absalon, c'est l'histoire d'un domaine. Absalon, c'est aussi à l'origine de l'histoire de la grande maison, sans lettres, puisque je n'avais pas encore lu ce livre. C'est l'histoire d'un homme qui construit une maison, qui fonde un domaine, et ensuite est obligé de partir à la guerre. Et ensuite, les femmes restent, sa femme, sa sœur, et les servantes restent seules dans l'immense domaine qu'il a construit. Ça, c'est Absalon, Absalon. Qu'elles tentent de maintenir, de résister au temps qui passe et à la destruction, à la ruine de cette maison. En attendant le retour de l'homme. Et finalement, il revient. Mais il revient, il ne pourra rien reconstruire lui non plus, et donc tout part. Donc, cette Villa des femmes, c'est toujours enfin, une histoire de maison, avec un narrateur. Et donc, il dit ceci. « Je me revois assis là durant toutes ces années. Je revois danser les ombres et la lumière sur les arabesques du perron où j'attendais le patron. Je savais ses heures et son programme. J'aimais la propriété, l'usine, les jardins, et même cette insupportable Jamilé, qui jamais ne voulut de moi autrement que comme collègue, mais dont le corps de louve, les cheveux de jais et les seins durs et fermes me faisaient rêver. J'aimais le domaine malgré Skandar Beik et ses lubies, malgré sa sœur Mado et son pénible caractère. » Donc on sent à nouveau qu'on est reparti dans une aventure familiale, mais là, d'une certaine façon, c'est l'histoire d'une décomposition, c'est l'histoire de l'éclatement, c'est l'histoire de la guerre, finalement, qui apparaît à travers cette Villa des femmes. Avec justement ces figures de femmes qui, elles, maintiennent la lignée. En fait, il y a deux cette partie-là, c'est le début, c'est toute la première partie de la temporalité, c'est-à-dire le moment où le narrateur a l'impression qu'il vit dans une époque où tout sera toujours pareil. Et c'est ce que j'ai eu envie d'écrire essentiellement, c'est-à-dire le lent train des jours, et n'écrire que sur les manifestations au quotidien du bonheur de vivre dans une maison. Éternellement. Et un roman, ça ne se construit pas comme ça. Ce n'est pas la possibilité de construire éternellement un poème épique ou un poème sur les plaisirs et les jours. Il y a toujours ce désir épique et les poème, jours. Oui. Travaux et jours, l'Odyssée. Bon, c'est l'Odyssée et les travaux et les jours, c'est un petit peu ce que j'aurais aimé faire que ça, comme ça, tranquillement. Et c'est ce que vit le personnage. J'ai l'impression que ça durera éternellement, ces travaux, ces jours, jusqu'au moment où, effectivement, comme je disais au début, l'histoire arrive brutalement, elle fait affluer le temps, la violence, etc. Et c'est ça. Et l'éruption de la violence dans la maison et dans le pays, c'est le basculement d'une époque dans une autre. Et le fait que ces personnages, cette famille, comme l'ensemble du Liban, a vécu dans une espèce d'incapacité ou de non-volonté de voir les changements arriver, le déni, le fameux déni dont on parle depuis quelques jours, le déni, c'est le refus de voir les changements, de refus de voir une société en train de changer, de se métamorphoser, alors que tous les signes sont là. Ils les voient,
mais on ne les interprète pas. On voit les changements se faire, on voit le monde basculer, on voit les milices palestiniennes arriver, on voit tout et pourtant, tout ça va continuer éternellement pareil. Et c'est exactement une métaphore que j'ai employée dans le livre, c'est les populations qui vivent au pied des volcans, qui entendent des volcans gronder, elles cultivent, elles construisent, et les volcans grondent, mais c'est pas grave, ils grondent depuis 2000 ans, ça va, nos parents, nos arrière-grands-parents ont vécu dans ces grondements, et un jour, le volcan explose. Et c'est un petit peu ce qui se produit. J'ai lu d'ailleurs dans un entretien que vous avez donné à la moment de l'apparition de la Villa des Femmes dans la Quinzaine littéraire, que cette image du volcan, vous la reprenez pour parler de Beyrouth aujourd'hui et du Liban d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a sans arrêt reproché, enfin reproché non, mais on me dit, mais alors quand est-ce que vous allez écrire le Liban d'aujourd'hui ? Je dis, mais le Liban d'aujourd'hui, je l'ai écrit, je n'arrête pas de l'écrire, c'est le même. C'est le même en ce sens qu'il y a une sorte de adieu ne plaise, Il y a c'est le même syndrome. Enfin, on est dans un pays aujourd'hui qui est un pays en prospérité apparente, dans lequel il y a une espèce de spéculation immobilière explosive, exactement comme dans les années 70, dans lequel il y a une joie de vivre, une espèce d'insouciance complète, exactement comme dans les années 70, où il y a en même temps pauvreté, misère, grande crise économique, blocage politique. 2 millions de réfugiés. Alors qu'à l'époque, on avait des millions de réfugiés palestiniens, et aujourd'hui, on a des milices armées, des populations qui se croient menacées par des milices armées. En 70, c'était les milices palestiniennes et tout le monde avait peur des milices palestiniennes. C'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes éléments qui se reproduisent aujourd'hui. Donc quand on me dit pourquoi vous n'écrivez pas sur aujourd'hui, je dis mais j'écris sur aujourd'hui en écrivant hier. À la seule différence, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même un peu retenu et je crois qu'aujourd'hui, personne ne veut faire la guerre. C'est la seule différence. Alors, il y a quand même effectivement, comme il y a l'imminence de la guerre qui est là, en même temps, dans cette écriture, le plaisir de restituer un monde déchu. Ces fragments dispersés de la mémoire que vous réassemblez comme des mosaïques et qui font qu'au fond, on est dans cette villa des femmes avec ces figures, ces personnages, notamment ces deux femmes, Marie et Mado, dont il faudrait nous dire quelque chose, qui au fond vont se déchirer comme un peu le pays va se déchirer et qui font que cette déchirure intestine, intérieure, familiale est un peu l'expression, la métaphore de la déchirure qui va traverser le pays et le saccager pendant 15 ou 20 ans. C'est le préambule, en fait. Ce serait le préambule. C'est-à-dire que c'est une famille dans laquelle il y a toutes les composantes explosives dans une famille. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont utilisées pour des alliances politiques, des femmes qui sont extrêmement malheureuses de leur sort. Il y a un homme qui tient à tout ça. Et quand cet homme meurt, évidemment, les héritiers sont incapables. Ils vont ruiner la famille. Et du coup, les femmes vont... Il y a un modèle aussi, quelque chose qui m'a beaucoup fasciné, qui a dû jouer dans l'écriture de ce livre, c'est le modèle racinien. Je suis passionné de l'œuvre de Racine, et notamment de ce schéma qui revient systématiquement dans les tragédies de Racine. C'est le fait qu'il y a un père dont on déclare qu'il est disparu, le roi, il est mort dans une bataille, etc. Et du coup, toutes les passions se déchaînent à l'intérieur du palais. Tout le monde déclare ses passions, tout le monde déclare ses haines, tout le monde viole les interdits, et puis le père revient. Au fond, Chérif Madalani est un écrivain tragique. Le tragique. Du tragique. Oui, du tragique, certes. Pas de la tristesse, du tragique. C'est-à-dire, en faisant référence à Racine ou aux Grecs, on sent que cette dimension-là, ça vous travaille en profondeur. Ça me travaille énormément. Oui, j'en parlais d'ailleurs avec Pierre Parlant hier soir. C'est le tragique aussi, c'est tout le côté, l'archaïque, tout ce qui est archaïque dans les réflexes, dans les instincts, dans les structures de la société. Tout est là encore, tout est. Et parle en dépit d'une apparence d'extrême modernité. C'est-à-dire, ce sont des familles totalement occidentalisées, qui vivent dans le luxe, la joie, qui sont totalement francophones, je ne sais pas quoi, et chez lesquelles il y a toute une série de refoulés. C'est quelque chose qui les travaille en profondeur. Au moment où le père disparaît, explose complètement. À la différence de Racine, le père ne revient pas, il est définitivement disparu. Et donc, tout ce qui sort, qui explose au grand jour, va être complètement corrosif et va tout emporter. Emporter la famille. Évidemment, il emporte la famille et cela coïncide avec la disparition du pays. Ça peut être un préambule, ça peut être un jeu d'écho. Sauf que dans l'imaginaire du narrateur, le chauffeur, là, il a l'impression qu'au moment où son maître, le maître de la maison, meurt, tout se détraque dans la maison et pratiquement au même moment, tout se détraque dans le pays. Et donc, dans sa tête, son patron, c'était le dieu qui tenait tout, l'intérieur et l'extérieur. Et quand il meurt, l'intérieur se détraque et l'extérieur aussi. Donc, vous parlez du tragique. Effectivement, il y a les personnages des enfants, justement. Noula, l'incapable, et Arrête, le cadet qui s'en va au loin et qui est encore, et qui est peut-être le frère ou le cousin de Samuel, l'aventurier, puisque Arrête, lui, il va au loin.
Et Arrête, d'ailleurs, à un moment donné, a envie de faire comme Samuel Hayat. Bon, c'est des petits jeux de... Les livres se répondent, bien oui, sûr. Oui, mais effectivement, c'est le voyageur, mais c'est aussi Ulysse, lui. C'est vraiment Ulysse, parce que c'est le personnage qui va partir, parce que c'est quelqu'un qui a lu beaucoup de textes, beaucoup d'épopées, beaucoup de... Et c'est un rêveur d'Orient. C'est le type même de ce que tu me demandais tout à l'heure. C'est vraiment l'oriental qui rêve d'Orient, en fait. Parce que l'Orient, pour un oriental, c'est encore plus à l'Orient. Et donc, c'est quelqu'un qui va aller en Iran, en Afghanistan. Mais en même temps, l'Orient n'est pas nécessairement l'Orient géographique. Je pense que l'orientalisme, le rêve d'Orient, c'est le rêve de retrouver des pays, des mondes, des régions dans lesquels il y a encore une manière de vivre qui rappellerait les époques épiques ou anciennes. Aller vers des mondes où on a l'impression que les gens vivent, se comportent comme on le trouve dans les textes anciens. Je pense que l'orientalisme, aujourd'hui, ce rêve d'Orient, c'est ça. Alors, on peut très bien rêver d'Orient en allant dans le Far West, en allant ailleurs. Dès qu'on va vers des régions, des pays où on a l'impression de retrouver l'expression d'un monde ancien, on est un rêveur d'Orient. Et ce personnage est un rêveur d'Orient en ce sens. Puis il va toujours plus vers l'Orient pour découvrir des hommes qui vont à chevaux, des gens qui... Bon. Oui, puisqu'il va jusqu'en Afghanistan. Et là, finalement, on retrouve la figure d'Alexandre. Il y a cette dimension. Sauf qu'aujourd'hui, le rêve d'Orient, il est plutôt saccagé. Le rêve d'Orient, il a la figure de Daesh et d'une assez grande violence dont on a les répliques ou les échos à Paris ou à Bruxelles. Oui, enfin, je ne sais pas s'il est saccagé en ce sens que... Est-ce qu'on peut encore rêver d'Orient aujourd'hui, quand on est à Beyrouth ? Ce n'est pas désuet ? Non, parce que on rêve. Je pense que le rêve d'Orient n'est pas nécessairement un rêve géographique, c'est un rêve d'un temps passé que l'on peut trouver ailleurs que nécessairement en Orient aujourd'hui. Je veux dire, on peut rêver de son Orient et aller le chercher dans le Far West américain ou au Mexique. Mais en même temps. Mais là, on est quand même toujours en Méditerranée ou un peu en Afrique et puis après jusqu'en Afghanistan, on est plutôt justement vers l'Est, quoi. Mais je ne sais pas si on peut. Le rêve d'Orient, on ne peut pas le vivre en Sibérie, aller dans. Je ne sais pas, sur le bord de la mer Caspienne, aller au Kazakhstan, oui, on pourrait trouver aussi des tribus. Ça peut être notre rêve, hein, d'ailleurs. Oui, c'est un rêve d'Orient. Le rêve d'Orient n'est qu'un rêve d'archaïsme, de choses antiques, anciennes, qui seraient encore aujourd'hui contemporaines de notre monde. Et à la recherche desquels on pourrait aller. C'est-à-dire, finalement, aller à la recherche des livres, de ce qu'on a lu dans les livres. Non, mais j'évoquais tout à l'heure ce beau livre de Yves Bonnefoy, de l'arrière-pays. Mais l'arrière-pays, c'est au fond le rêve toujours recommencé. Et on sent que vous nous... Comment dire, il n'y a pas une dimension du tout réaliste dans vos... Je veux dire, c'est pas ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que vous avez besoin de recharger sans cesse cet imaginaire, mais qui n'est pas une fuite, qui est une façon de déjouer l'histoire telle qu'elle s'impose à nous, devant nos yeux, et de recharger notre imaginaire par des récits, par des personnages, et là, par ces personnages de femmes. Alors, quelques mots quand même, puisque le cœur de ces personnages, Villa des femmes, c'est les femmes qui tiennent la maison et le pays. Certainement. Alors, juste un mot à propos de la recharge. Je suis tout à fait d'accord. Il y a pas de réalisme, mais enfin, j'essaie de décrire quand même un fonctionnement social, l'histoire elle-même. Mais je pense que tout ce que l'on raconte aujourd'hui, tout ce que l'on voit, la réalité avec laquelle la manière avec laquelle on voit la réalité, les choses, l'histoire, on les voit à travers les textes qu'on lit. Je pense qu'on revoit la littérature à travers les textes, à travers la peinture. Oui, c'est une mise en récit du monde. Je sais pas, tout à l'heure, on en parlait aussi avec le club de lecture. Et je ne sais pas combien de scènes de ce livre sont consciemment ou inconsciemment la projection de tableaux que j'ai vus, comme c'est beaucoup aussi des textes que j'ai écrits. Donc je pense que tout ce qu'on écrit, on l'écrit non pas en référence à la réalité, on l'écrit en référence au texte. Oui, c'est un palimpseste, quoi. Il me semble. Alors pour les femmes, bon, c'est quelques mots sur ces deux personnages principaux, Marie et Mado. Ce sont deux femmes qui vivent, qui ne se rendent pas compte qu'elles sont totalement aliénées, parce que c'est des femmes qui vivent dans la glorification de leur famille, qui se sentent les gardiennes au début de la famille, du clan, du sang, donc qui sont gardiennes de toute une forme de tradition et une organisation sociale dont elles sont l'émanation la plus splendide, puisqu'elles, évidemment, elles sont riches et belles et je sais pas quoi. Sauf qu'elles s'aperçoivent tardivement, à la mort du père, au déclenchement de la guerre, qu'elles ont été complètement manipulées, qu'elles sont totalement aliénées, puisqu'elles ont défendu des valeurs qui les oppriment. Et au moment où elles s'en aperçoivent, elles n'ont plus qu'un seul rêve, c'est que à l'inverse, tout ce qu'elles ont défendu, elles n'ont plus qu'un seul rêve, c'est de le détruire. Donc Mado, évidemment, à un moment donné, va empêcher le règlement des questions. Mais cette passion de la destruction, c'est là où on retrouve le tragique. Mais elle détruit ce qu'elle a aimé parce qu'elle s'est aperçue que ce qu'elle a aimé, elle l'aimait alors qu'en fait, ça l'avait détruit, voilà, d'une certaine manière. Et donc, elle rêve que tout ça soit détruit. Elle essaie de le détruire en empêchant les règlements des conflits financiers, etc. Elle n'y arrive pas.
Enfin, elle y arrive, si, en fait. Elle y arrive parfaitement. Et ensuite, la guerre arrive et c'est une aubaine parce que la guerre est une scène d'adjuvant. La guerre est là pour lui dire, allez, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On détruit, on va détruire. Donc la guerre est là pour l'aider à détruire le domaine, les vergers, tout ce qu'elle a défendu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand sa belle-sœur va faire évacuer un canon dans le jardin, elle est fâchée, elle dit, mais enfin, comment? Elle lui dit, mais toi, tu as toujours voulu défendre le canon dans le jardin, va attirer les répliques de nos gars en face. Elle dit, mais tant mieux qu'ils répliquent, qu'ils nous tirent dessus et qu'on en finisse. Et c'est un petit peu le rêve de détruire ce qui nous a détruits. Il y a quelque chose aussi qui est, à travers ce livre, qui est une réflexion sur l'énigme de la violence. Quelque chose qui est partout présent à Beyrouth et au Liban. Et donc il y a ces figures de miliciens qui sont là dans leur treillis, avec dans leur ridicule en même temps, et en même temps dans leur côté, là aussi, prédateurs qui sont... Les milices, en fait, ce livre, je l'ai construit un petit peu aussi sur le modèle de l'Odyssée, mais c'est comme ça. La Villa des Femmes, c'est la maison de Pénélope, en fait. Et les miliciens qui viennent s'installer dedans, c'est les fameux prétendants qui sont dans... Moi, pour moi, l'Odyssée d'Homère, c'est moins les voyages d'Ulysse que le récit de la maison de Pénélope. Bien sûr, c'est le lit du retour. Et les gens qui attendent. Et en attendant, il y a toute cette vie quotidienne, etc. Toute cette espèce de travail du quotidien des femmes, etc. C'est ce qui m'intéresse dans l'Odyssée, c'est un petit peu la Villa des Femmes. Et les miliciens, c'est les prétendants que Arès va venir détruire à la fin. Et donc, en ce sens-là, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'on disait. Ainsi qu'on est justement dans un aller-retour sans cesse avec le tragique. Et bien, donc après la Grande Maison et Caravanserai, donc on va terminer cette rencontre par une dernière lecture de Serge Rinko, donc d'extrait de la Villa des Femmes. Et après, il ne vous restera plus qu'à aller vers la table de libraire pour lire tous les livres de Sharish Majdalani. Je me suis tenu là tout le temps nécessaire, gardien de la grandeur des Hayek, témoin involontaire de leur déchirement et de leur ruine, assis en haut du perron de la villa, dans le carré de soleil, en face de l'allée qui menait au portail. Aussi loin que je remonte, je vois ce portail ouvert. C'est par là que sont arrivées les belles choses et aussi les calamités. C'est par là qu'entra le funeste immigré des années 30, par là que partit le fils cadet, et par là aussi qu'il réapparut un jour. C'est par ce portail que pendant des années j'ai vu passer sur la route les belles automobiles et les autocars bariolés, les marchands de quatre saisons, les quincaillers ambulants et les vendeurs de tissus qui portaient les rouleaux de taffetas et de coton comme des toges sur leur épaule. À chacune de leurs apparitions, les bonnes jaillissaient derrière moi de la maison et couraient en riant vers la rue, s'attroupant autour des colporteurs qui, tels des princes entourés d'une cour improvisée ou des magiciens emmenés par des enfants enthousiastes, pénétraient ensuite sans se gêner dans la propriété. Ils étalaient à mes pieds les étoffes bon marché et les acryliques colorés, leur trouvaille idéale aux fruits et leur batterie de passoires à spaghettis ou de cruches en plastique. Et c'était alors devant la villa un véritable souk qui s'improvisait. Mais Djamilé apparaissait bientôt sur le pas de la porte, non sans avoir jeté un coup d'œil intéressé à tout ce qui se trouvait sous ses yeux. Déballage de draps et assortiment de verres et de tasses, elle prenait une attitude indignée, s'essuyait les mains à son tablier et rappelait son monde à l'ordre, avec humeur, en s'en prenant aux marchands en savate qu'elle chassait de sa voix puissante. Devant sa colère attendue, les bonnes se redressaient et battaient en retraite, tandis que les marchands remballaient à la va-vite et que Djamilé me lançait un regard fulminant, me reprochant de laisser ainsi le tout-venant pénétrer dans la propriété. Elle était intraitable, sauf à l'égard du marchand de poissons, qu'elle ne pouvait empêcher d'entrer avec son vélo, ses bottes en caoutchouc et son air d'empereur romain, les yeux d'un bleu semblable à celui de la mer où il allait pêcher et où il prétendait qu'un vieux cuirassé s'était planté droit au fond de l'eau dans la vase, sa poupe et ses énormes hélices pointant vers la surface. Tous les vendredis, il venait proposer des loups, des bars ou des poissons à tête de chat à Skandar Hayek, mon patron, le maître du domaine. Quand elle le voyait approcher, Djamilé marmonnait qu'il allait encore falloir nettoyer au pétrole le sol où il s'installerait pour écailler et vider ses poissons. Il le faisait pourtant sur de vieux journaux, et une fois, sur l'un d'entre eux, au-dessus duquel je me penchais discrètement, parce que le poissonnier travaillait à mes pieds, je lus en gros titre que l'Allemagne
s'était entendu avec la France et l'Angleterre sur la Tchécoslovaquie à Munich. Mais, tu les trouves où, tes journaux ? Lui demandais-je en éclatant de rire. À la Bibliothèque nationale ou chez Jean Antiquaire ? Et lui, avec ses yeux bleus, où passaient des cuirassés fantômes, les doigts gantés, enfoncés dans le ventre d'un loup pour en sortir tout ce qu'il y avait, eut un air sombre, regarda les caractères sur le papier, et je compris qu'il ne savait pas lire. Cela dit, ces journaux ne servaient à rien. Les boyaux des poissons finissaient à même le sol, sur les arabesques du carrelage, que Djamilé devait faire nettoyer avant de se mettre à quatre pattes pour renifler et s'assurer que cela ne puait pas, ne puait plus. Mais elle avait beau rouspéter, elle n'y pouvait rien. Le patron aimait le poisson et il appréciait ce poissonnier-là. Il avait confiance dans ses yeux bleus, dans sa tête d'empereur romain et dans ses histoires de cuirassés dressés comme un i au fond de la mer. Lorsqu'il lui avait passé une commande, la semaine suivante, il l'attendait, descendait lui-même devant le perron pour vérifier la qualité des rougets ou des sols. Et un jour, en plaisantant, il voulut savoir comment il ferait avec son vélo s'il lui demandait un espadon ou un requin. Le poissonnier disparut 3 semaines, puis revint un matin dans une très vieille simca, sur le toit de laquelle il avait attaché sa barque de pêcheur, dissimulée sous une grosse bâche. Il se gara, mit pied à terre, et on envoya le fils du jardinier quérir le patron à l'usine, à l'autre bout de la propriété. Lorsque Skandar arriva, s'exclamant avec beaucoup d'affabilité, « Alors, Ya Abourames, tu as acheté une voiture ?» Le travailleur de la mer indiqua le toit de la simka et la barque, qu'il débâcha brusquement, comme un magicien. Et on s'aperçut que, en fait de barque, ce qu'il transportait était un gros requin, au regard tombant, aux yeux exorbités, au rictus monstrueux. Les bonnes et les femmes de la maison se mirent à hurler d'horreur et de surprise, tandis que Abourames déclarait « Vos souhaits sont des ordres, Skandar Beg. » Revenu de sa surprise, ce dernier déclara en riant qu'on allait se régaler. Tout le monde... Tout le monde cria au scandale à cette idée, mais Skandar insista. Le poissonnier et son fils, aidés d'un ouvrier de l'usine qui avait été pêcheur, débitèrent la bête sous les yeux de Marie, ma patronne, debout, horrifiée, en haut du perron, et sous le regard de l'infernal Mado, dont on distinguait la silhouette derrière sa fenêtre à l'étage. Tout le peuple des bonnes, des jardiniers, des ouvriers, accourut pour assister au dépeçage du requin, dont le sang, les tripes, les crocs et le mufle terrifiant furent négligemment jetés au milieu des plates-bandes de géranium et de gardénia. Djamilé, en maugréant, dut ensuite faire de la place dans ses congélateurs. On avait l'impression que c'était les restes des femmes de barbe bleue qu'elle était sommée de cacher. Et moi, pour me mettre en valeur, je prétendis que je savais cuisiner ça. Ce qui n'était pas vrai. Mais j'avais entendu un jour mon père rapporter une recette d'espadon qu'un docker palestinien lui avait décrite, que lui-même tenait d'un marin marseillais. Je la reproduisis approximativement, utilisant sans vergogne les fourneaux de Djamilé. C'était une recette à l'alcool, un alcool d'anis, de réglisse et de fenouil qu'ils appellent pastis, là-bas, à Marseille, et que je remplaçais par de l'arak, qui est cousin du pastis, mais sans fenouil ni réglisse. Quand ce fut prêt, Skandar réclama que ses enfants, sa femme, sa sœur, Mado, en goûtent. Il en envoya même au contremaître de l'usine. Tout le monde considéra le steak de poisson mariné à l'arak comme s'il s'agissait d'un monstre marin menaçant de bondir hors des assiettes. Skandar le premier se mit à manger, tout le monde l'imita, et c'est depuis que l'on me surnomme « requin à l'arak ». Ce qui, avec le temps, persuada tout un chacun que, dans ma jeunesse, j'étais puissant, redoutable et silencieux comme un requin, ce qui est possible, et que j'étais porté sur l'alcool, ce qui, en revanche, est absolument faux. Et voilà, nous sommes donc dans le grand vent de la littérature, entre, grâce à Sharif Majdalani, entre Marseille et Beyrouth. Maintenant, bonne lecture et donc rendez-vous tout à l'heure à 17h. Merci.